l'examen. Bună seara, sunt Bogdan Iancu, antropolog SNSFA. Ne aflăm în seara asta aici pentru că avem parte de un eveniment care constă în lansarea cărții antropologului David Breton, Evadarea din sine, orientație contemporană. Asta știați deja din titlul evenimentului la care ați dat termin. Ne aflăm astăzi aici și pentru că mâine dimineață se ne spare onoarea să confere titlul de doctor honoris causa profesorului David Breton într-o festivitate care va începe mâine la ora 11 pentru cine este interesat să participe, pentru că va mai avea un moment de discuție și acolo sala 104 va fi deschisă pentru acest eveniment. Ne aflăm astăzi în fața unui eveniment editorial care vine în urma unei conferințe pe care noi am găzduit-o în urmă cu 3 ani, când am discutat din acest subiect care se regăsește în interiorul acestui volum. Dar ceea ce se va întâmpla astăzi va fi un dialog pe care Andrei Mihail îl va avea cu David Breton despre această carte, dar și cu despre cercetări și lucrări la care David Breton lucrează în acest moment. Sunt cumva emoționat să-l avem din nou aici aproape și pentru că o parte din bibliografia de studiu la cursul de sociologia cotidianului îl are ca autor pe David Breton. În seara asta mai avem alături de noi pe Victor Popescu, editorul cărții, care o să-i predau scurt microfonul. Nu înainte de a face niște precizări ațoase, care țin de un pic de cum o să se desfășoare evenimentul. După ce eu și Victor vom fi părăsit scena și va avea loc acest dialog, după acest dialog veți putea interveni din sală cu întrebări și sau foarte scurte comentarii. Astfel încât ar trebui cumva undeva spre 8 fără un sfert să evenimentul să se închidă cu o sesiune, urmată de o sesiune de autografe pe care le puteți avea cu Breton după închiderea acestui eveniment. Asta este una din precizări. A doua ar fi că această înregistrare cred că va putea fi în următoarea perioadă va putea fi văzută și pe o să încercăm să o încărcăm și pe canalul de YouTube al Departamentului de Științe de Sociologie al SNSPA. Mulțumesc, o să-i dau cuvântul lui Victor Popescu, care este editorul cărții. O să-i dau chiar microfonul ăsta pentru că am reușit să-l deschid. Așa, mulțumesc mult! Mulțumesc că m-ai amintit, domnul profesor. Bun, că ne-a oferit șansa să publicăm o carte destul de nouă și destul de provocatoare pentru că vorbește despre lucruri care se întâmplă în prezentul imediat. Mulțumesc că dumneavoastră pentru prezență și ce vreau să spun, sigur, editura 3, probabil știți deja, are un profil sau în parte, e orientată spre psihologie, psihoterapie, cumva veți regăsi lucruri comune în carte, se vorbește despre burnout, despre Alzheimer, dar v-am să evoc așa foarte scurt, ca să nu iau din timpul pentru discuții, o poveste pe care am mărturisit-o înainte profesor. L-am citit acum vreo 15 ani, când făceam niște emisiuni la radio, la canalul de tinere, de la Radio Public, și i-am citit cartea Pasiunile Riscului. Și am povestit atunci, pentru adolescenții, tineri care se presupune că ascultau postul, despre ce înseamnă ritual de inițiere, despre ce înseamnă să-ți asumi niște riscuri, dând niște exemple cu tineri care zbordau pe acoperișurile vagoanelor și se mai și electrocutau și se accidentau. A fost chiar cazul atunci, a fost și mai de curând. Dar dacă acum aș fi și ar trebui să fac tot din nou o emisiune, să spunem, pentru tineri,
și aș avea cartea asta în mână. Probabil că am vorbit mai degrabă despre Balena Albastră. Este un capitol foarte consistent despre adolescenți și despre toate aceste viduri de trecere, supunere, anumite riscuri, pentru că această carte poate să oferă o imagine de ansamblu, o punere în perspectivă de care avem nevoie ca să înțelegem un fenomen ca acesta. Dar, de fapt, cartea este o, dacă vreți, o secțiune transversală care merge de la literatură, la sociologie, la psihologie, medicină și încearcă să surprindă un ceva despre care va fi vorba în această seară. Și asta e frumusețea ei, pentru că e foarte greu de încadrat, e foarte bine scrisă, e foarte provocatoare. Și pentru psihologi, el poate fi relevantă și pentru un filolog, poate, evident, pentru antropologi, dar are o mulțime de deschideri și cred că poate fi citită cu folos de multe persoane din domeniul științelor umaniste. Cu asta eu închei filologia mea și dau cuvântul. Evident, luat cu emoțiile, am uitat și să zic de ce ne-am gândit să facem asta odată, acum un an, de ce ne-am gândit să invităm pe David de Lucrăm. Unul din motivele pentru care am făcut asta a fost și pentru că în urma vizitei de acum câțiva ani ne-am dat seama că există un fel de tiranie a bibliografiei anglosaxone și că literatura antropologică și etnologică franceză, care a avut o tradiție în România, științele sociale, s-a pierdut încet, încet și, bine, nu o deplângem, poate că există niște motive legitime pentru care lucrul ăsta s-a întâmplat, dar am dat atunci seama că, ok, dacă există acest eveniment care adresese 1500 de oameni care aș fi vrut să vină la el, poate că n-ar fi rău să repetăm astfel de inițiative și ceea ce cred că, și sper că se va întâmpla, poate cu ajutorul editurii 3, este să continuăm publicările ale lui David de Breton, astfel încât să avem din când în când ocazia să ne mai întâlnim. Mersi. Mersi. Mersi, Bogdan. Vous voulez que je commence ou vous voulez dire quelque chose avant de commencer? Non. Merci infiniment Bogdan, merci infiniment Victor et puis Andrei. Et puis merci à chacune et chacun de vous d'être venu partager un moment de dialogue avec moi ce soir. Merci. Bon, alors on peut commencer. J'ai une première question qui, qui adresse la thème, le sujet de votre livre, de Disparaître de soi, parce que d'habitude vous adressez des thèmes plus corporels qui sont... vous parlez des représentations du corps, vous parlez des cultures derrière les usages du corps. Alors, Disparaître de soi est un peu atypique pour les ouvrages que vous avez rédigés avant. Oui. Qu'est-ce qui vous a approché du sujet? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Comment êtes-vous arrivé à parler de ce sujet? D'accord. Bon, je dirais que dans tous mes livres, il y a une nécessité intérieure, un désir impérieux de comprendre, de mettre des significations sur des événements qui me hantent. Et là, c'était plutôt des événements d'enfance. Mais je crois que j'en avais parlé déjà il y a 3 ans quand j'étais venu. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais adolescent, dans le quartier où je vivais, un quartier populaire dans la ville du Mans. Le Mans, c'est dans le centre de la France, c'est la ville des 24 heures du Mans, la fameuse course automobile. Et dans le quartier où je vivais, trois de mes amis, à tour de rôle d'une certaine manière, ont commencé à déserter le lien social, à devenir de moins en moins présents. À s'absenter en quelque sorte. Ils étaient de moins en moins avec nous, et puis leurs parents étaient également complètement déconcertés. C'étaient des jeunes qui n'avaient plus envie non plus d'aller à l'école et qui étaient dans une sorte de grève de la vie quotidienne. Une sorte de grève de la vie quotidienne qui les a amenés progressivement à refuser le monde. Et puis leur parcours a été malheureusement celui des hôpitaux psychiatriques, puisque dans nos sociétés contemporaines, il n'y a pas de place pour des hommes ou des femmes qui ne se reconnaissent pas dans le lien social, qui se sentent trop meurtris par les relations avec les autres et qui préfèrent se retirer. Il y a quelques siècles, sans doute seraient-ils devenus des moines ou des moniales, je ne sais pas, mais en tous les cas, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Alors j'avais cette image-là en tête,
Et puis également, comme je suis un très grand lecteur et un grand cinéphile aussi, j'avais d'innombrables romans en tête. J'étais sidéré de l'importance de ce thème de l'absence dans la littérature et le cinéma contemporain. Alors que les écrivains de l'absence ne sont pas forcément des auteurs très faciles à lire. Les auteurs de l'absence, pour moi, ça peut être par exemple Paul Auster aux États-Unis, Cormac McCarthy, c'est Fernando Pessoa, j'ai pas de chronologie, hein, je vous les cite un peu au hasard, Fernando Pessoa au Portugal, c'est Pirandello en Italie, c'est Antonio Tabucchi en Italie, c'est Simenon également, c'est Beckett. Vous voyez, c'est très facile de trouver des grands auteurs dont les personnages sont incroyablement absents, n'ont pas véritablement d'épaisseur d'une certaine manière. Et pourtant, ce sont des auteurs que nous aimons énormément lire et relire. J'oubliais Henri Michaud, j'oubliais énormément d'écrivains japonais, parce que les écrivains japonais, et le cinéma japonais d'ailleurs, est absolument hanté par ce thème de l'absence, de la disparition de soi. Dans la littérature japonaise, c'est Haruki Murakami, par exemple, qui est traduit dans le monde entier. Il y a un autre Murakami qui s'appelle Kyushi Murakami, qui lui montre plutôt une disparition de soi dans des sexualités extrêmes, dans des pratiques extrêmes. C'est un peu un anti-Haruki Murakami, mais ce sont deux hommes qui ont une démarche assez proche, quoi, tout en étant dans des univers extrêmement différents. Même les textes de Kitano, hein, un très grand cinéaste japonais, mais même les textes de Kitano sont aussi des textes sur l'absence. Et j'étais un peu étonné de voir que ces auteurs continuent à être en tête des ventes de livres, alors que ce ne sont pas des auteurs faciles, quoi. Et pour le cinéma, il y a énormément d'auteurs, énormément de grands cinéastes qui ont été obsédés par ce thème de l'absence. Il y a Werner Herzog, il y a Wim Wenders, Bruno Ganz d'ailleurs, qui est mort il y a quelques jours, était un acteur qui a énormément incarné ces personnages un peu absents, un peu ailleurs. Donc, le cinéma japonais, regardez les films de Kore-eda, par exemple, un immense cinéaste. Regardez Nobody Knows, par exemple, qui est un film absolument terrible et magnifique d'une mère qui abandonne ses trois enfants à Tokyo. Et le film montre ces trois enfants qui se débrouillent dans une sorte de no man's land. Il n'y a plus d'adultes autour d'eux et ils essaient de survivre. Et c'est vraiment un thème très présent dans le cinéma japonais, parce qu'il y a aussi Naomi Kawase, une femme. Enfin, voilà. Donc pour moi, c'est un thème qui est... Il est culturellement dans l'air du temps. Et donc il est forcément significatif de quelque chose qu'il fallait comprendre. Si c'était des thématiques un peu ailleurs, qui n'intéressaient personne, bon, ce sont des écrivains qui auraient énormément de mal à trouver des éditeurs, et puis ce sont des films qui seraient des catastrophes économiques, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des films qui ont des prix dans le monde entier, et des écrivains qui sont également célébrés dans le monde entier. Donc c'était une autre accroche de ce livre. Et puis j'avais envie aussi de parler de Alzheimer, par exemple, puisque depuis bien longtemps, j'ai une autre image de Alzheimer que celle d'une pure détérioration du cerveau. C'est plutôt l'analyse dominante dans les sciences dures, les sciences biologiques d'aujourd'hui. On considère que les personnes deviennent Alzheimer parce que progressivement des neurones se détruisent. Mon idée était plutôt, même si je sais très bien qu'il y a aussi des pathologies Alzheimer qui sont génétiques et qui sont donc inéluctables. Mais il y a un certain nombre de cas, et à mon avis, qui sont quand même extrêmement nombreux, où c'est plutôt la détérioration du sens de la vie qui amène à une détérioration du cerveau. L'absence au lien social amène forcément à des transformations physiques. C'est banal, de toute façon. Ce qu'on mange, par exemple, notre mode de vie va influencer complètement notre corps et le fonctionnement de notre cerveau, etc. Donc je pense que beaucoup de personnes Alzheimer sont des gens qui ont épuisé complètement toutes leurs ressources de vie. Ce sont des gens qui ont tout donné, on va dire comme ça. Ce sont des gens qui ont tout donné, qui sont dans une sorte donc de lassitude d'être soi. L'effort d'être soi est pour eux devient de plus en plus intolérable. Alors ils s'éloignent progressivement de nous, tout doucement, tout doucement. Ils ne se tuent pas. Je crois d'ailleurs que c'est...
peut-être un peu, je sais pas, là c'est vraiment une hypothèse, j'en parle pas dans le livre, mais je me suis souvent demandé s'il n'y avait pas une espèce de connotation un peu catholique, ou en tous les cas chrétienne, avec l'interdit du suicide, mais en même temps des manières de mourir doucement, hein, à travers donc une mort symbolique, une mort sociale, en s'éloignant progressivement du monde. Et donc pour moi, Alzheimer était l'une des modalités possibles de cette disparition de soi dans le monde contemporain. Et puis il fallait aussi parler de la multiplication des dépressions. Les dépressions deviennent une pathologie d'une banalité presque déconcertante dans le monde d'aujourd'hui, le burn-out également. Voilà, j'avais envie donc d'évoquer tout cela dans un livre qui fasse une, pas une synthèse, c'est un très mauvais mot, mais enfin, qui essaie en tous les cas de comprendre cette espèce de structure anthropologique. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on peut choisir l'absence plutôt que la présence au monde ? Ce qui était d'ailleurs aussi pour moi une autre manière de réfléchir sur l'identité, sur le sentiment d'identité. C'est au cœur de tout mon travail sur les conduites à risque de nos jeunes. Comment peut-on, en toute conscience, glisser dans les troubles alimentaires, dans des tentatives de suicide, dans l'alcoolisation extrême, dans la toxicomanie? Et donc la question de l'identité est vraiment finalement au cœur de tout mon travail depuis très très longtemps, puisque je ne l'ai pas abordé uniquement d'ailleurs dans les conduites à risque, mais moi aussi dans mes livres sur le visage, sur le silence, etc. Et pendant longtemps d'ailleurs je prenais d'innombrables notes et je me demandais si j'étais si je tenais quelque chose de valable sur un plan anthropologique ou si j'étais dans un rêve ou dans un imaginaire personnel. Et je me souviens que quand j'ai donné le manuscrit à Anne-Marie Métellier, qui est mon éditeur, l'éditrice qui a publié le plus de mes livres et avec laquelle je suis le plus en confiance. Quand j'ai donné le livre à Anne-Marie Métellier, je me souviens de lui avoir dit « Vous savez Anne-Marie, je ne sais pas si vous allez prendre mon livre, parce que personne ne m'attend sur ce sujet-là, c'est pas vraiment le corps, et sans doute que les lecteurs qui connaissent mon travail vont se dire « Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans » Et j'ajoute, je dis à Anne-Marie Métellier, c'est un livre sur la disparition de soi. Et à mon immense surprise, elle a éclaté de rire en me disant « Mais quelle merveilleuse idée !» Et on a commencé à parler tous les deux de cela, de ce désir d'absence, et pas vraiment à ma surprise, mais en même temps, j'étais ému de voir qu'une grande éditrice comme elle, immédiatement, je n'ai pas eu besoin de lui expliquer quoi que ce soit, immédiatement elle a compris ce que je voulais dire. Et pendant un bon moment, on a parlé tous les deux de la difficulté de vivre dans le monde d'aujourd'hui, l'effort permanent de s'ajuster à un monde qui change tout le temps, et puis de se reconnaître aussi de moins en moins dans ce monde, en termes de valeur, et puis cette expression qu'on dit très souvent en France, « Ah, si je pouvais disparaître !»« Ah, si je pouvais ne plus être là !»« Ah, si on pouvait m'oublier !» Si je pouvais disparaître des radars. Et finalement, c'était aussi des choses que je voyais sur un plan beaucoup plus... Je suis très long à répondre, pardon. Peut-être que vous n'arriverez pas au bout de vos 5 questions. Mais je rencontrais énormément aussi ce désir de disparaître, mais de manière beaucoup plus heureuse, dans la marche. Puisque j'ai écrit plusieurs livres sur la marche, je suis moi-même un marcheur. Et les gens qui marchent, qui font des longues marches, même, de toute façon, même quand on marche simplement pendant quelques heures ou pendant un week-end, on est un peu dans la même logique, mais c'est encore plus spectaculaire chez des gens qui partent, par exemple, sur les chemins de Compostelle, et vous savez qu'ils sont aujourd'hui des centaines de milliers, et des gens qui viennent absolument du monde entier. Sur les chemins de Compostelle, vous avez des Argentins, des Chinois, des Roumains, des Brésiliens, des Français, enfin, des gens absolument du monde entier. Ce qui montre que la marche est un phénomène sociologique absolument considérable aujourd'hui. Et ce que je sais en tant que marcheur, et puis pour avoir aussi énormément discuté avec d'innombrables marcheurs, il y a aussi ce désir de disparaître, hein, abandonner cette espèce de tyrannie de l'identité.
la tyrannie des responsabilités qui pèsent en permanence autour de nous, les contraintes de l'identité. Être responsable au niveau social, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amical. On est tous absolument écrasés par les responsabilités qui pèsent sur nous et que le portable, le téléphone portable notamment, et Internet ont rendu absolument terrifiant aujourd'hui. Et d'ailleurs, la plupart des marcheurs au long cours, ceux qui vont à Compostelle ou ailleurs, se déconnectent. Ils sont plutôt dans la déconnexion et ne veulent plus trop entendre parler de portable. La marche, donc, c'était aussi pour moi une manière heureuse, alors que dans mon livre « Disparaître de soi », j'aborde plutôt des thèmes plus douloureux, plus difficiles. Mais donc, la marche est une manière heureuse, joyeuse, de disparaître pendant des jours, des semaines, des mois, de se remettre au monde, de se réinventer, de laisser derrière soi toutes les contraintes, toutes les sollicitations innombrables qui nous traquent, qui ne nous lâchent pas un instant. Voilà, donc j'ai voulu écrire sur ce sujet, et puis, voilà, je suis très heureux d'avoir écrit ce livre. Vous liez toutes ces stratégies, soi-disant, de disparaître de soi, de disparition de soi, oui. Du monde moderne, des sociétés modernes, de tous les effets politiques, économiques que les sociétés modernes nous ont amenés. Oui. Est-ce que vous avez trouvé des différences de genre ou des différences de classe à travers le discours ou à travers les pratiques de disparition de soi? Est-ce qu'il y a des différences? C'est moins mon sujet, parce que finalement, je suis plus anthropologue que sociologue, mais bon, je fais partie des sociologues qui considèrent qu'il n'y a pas de différence entre sociologie et anthropologie. Hein. Mon statut social, c'est d'être professeur de sociologie, mais tous mes cours s'appellent anthropologie du risque, anthropologie du corps. Tous mes livres, d'ailleurs, sauf les deux cossages que j'ai écrits sur la sociologie du risque et la sociologie du corps, mais tous mes livres s'appellent une anthropologie des sens, voilà. Et puis d'ailleurs, en ce sens, je m'inscris absolument dans la tradition sociologique, puisque si vous prenez les grands noms, même Durkheim, je suis très loin de la sociologie évidemment de Durkheim, mais on ne peut pas voir Durkheim uniquement comme un sociologue, il était aussi anthropologue. Dans l'œuvre de Durkheim, il y a le suicide, qui est vraiment un acte fondateur de la sociologie. Mais en même temps, Durkheim a écrit sur les religions, sur la famille, sur l'éducation. Enfin, il y a totalement une dimension anthropologique dans l'œuvre de Durkheim. Chez Max Weber en Allemagne, on est aussi absolument dans la même logique. La naissance du capitalisme, c'est une espèce d'anthropologie économique. Et puis Georges Simmel, c'est encore plus spectaculaire, parce que Simmel est un auteur qu'on lit, qu'on relit, qu'on redécouvre de façon émerveillée aujourd'hui, parce que Simmel a écrit sur les sujets les plus improbables au début du XXe siècle. Il a écrit sur l'aventure, il a écrit sur la coquetterie, il a écrit sur le visage, il a écrit sur les femmes, il a écrit sur... Voilà. Et pour ça d'ailleurs que Durkheim ne pouvait pas le supporter, parce que Durkheim qui incarnait une certaine... l'académisme naissant, je veux dire, trouvait que c'était une sorte d'amateur qui s'intéressait à tous les sujets possibles, mais que c'était pas sérieux pour Durkheim. Bon, aujourd'hui, plus personne ne lit Durkheim, sauf pour l'histoire de la sociologie, alors que tout le monde lit Simmel pour réfléchir sur des tas de sujets qui sont bien contemporains, et Simmel n'a pas pris une ride, je pense. Son texte magnifique sur la sociologie des sens, par exemple, est vraiment lumineux. Et il ouvre encore des tas de pistes aujourd'hui, plus d'un siècle après sa sortie. Alors, il n'y a pas d'équivalent dans l'œuvre de Durkheim. Marcel Mauss était dans la même logique, de refuser... Finalement, Mauss est davantage un anthropologe qu'un sociologue. Il y a le grand texte de Mauss sur les émotions, le caractère obligatoire des sentiments, il y a l'intériorisation de l'idée de mort, la notion de technique du corps. Donc chez Mauss, par exemple, il n'y a pas du tout ce souci de la question des classes sociales, du genre, etc. Ni même chez Max Weber, finalement, pas énormément. En tous les cas, Simmel s'en fichait complètement. Bon, c'est plus présent, évidemment, du côté des sociologues de Chicago ou du côté des interactionnistes, mais c'est pas non plus au cœur, à mon avis, de leur travail. Donc moi, je me situe davantage dans cette filiation plutôt nord-américaine, enfin,
Je me sens très proche de Simmel et de Mauss, hein, qui pour moi sont des compagnons de route, mais plus proche peut-être au niveau éthique et des sociologues de l'école de Chicago et de l'interactionnisme symbolique. Donc j'ai très peu travaillé dans ma carrière sur les différences sociales, différences de classe, qui ne m'ont jamais paru... c'est pas ça qui m'intéressait. Alors je sais pas... Pourtant, je vous l'ai dit, j'ai grandi dans un milieu très populaire, mais... j'ai jamais été obsédé par ça. Voilà. Mais c'est vrai que la question du genre pourrait jouer un rôle. Là, dans la disparition de soi, je ne suis pas si sûr. Et puis les classes sociales, je ne suis pas si sûr non plus, parce que finalement, les premiers moments où j'ai observé ces formes de disparition de soi, c'était vraiment dans ce milieu très populaire, avec des enfants d'ouvriers, des usines Renault du Mans. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette espèce de grève de la vie qu'on rencontre chez beaucoup d'adolescents, par exemple chez les hikikomori japonais, hein, je vous rappelle que ces hikikomori japonais sont des adolescents qui refusent de sortir de leur chambre, qui vont vivre pendant des années cloîtrés dans le refus de voir leurs parents, dans le refus de voir leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, etc. Ce sont des jeunes qui sont presque des moines, j'aime bien les appeler des moines post-modernes, on pourrait dire, parce qu'ils sont à la fois dans une réclusion volontaire, et en même temps, ils utilisent Internet en permanence. Donc ils sont sur les réseaux sociaux, mais ne veulent absolument pas rencontrer d'autres personnes. Donc ils sont dans le refus du corps, dans le refus du visage, dans le refus de la voix, dans le refus du contact, qui sont évidemment au cœur de l'interaction. Et ces jeunes sont vraiment de tous les milieux sociaux au Japon. Et de la même façon, le phénomène commence à apparaître. Enfin, il est apparu déjà en France, en Europe, je veux dire, dans le monde entier, depuis quelques années. J'étais à un colloque il y a quelques jours à Paris, on parlait des no-life. Ils ont pris un terme anglais en France, je veux dire, pour caractériser ces adolescents. Mais ça touche également absolument tous les milieux sociaux. Je ne pense pas que la dépression, par exemple, également épargne des gens de milieux privilégiés ou de milieux populaires. Dans mon expérience personnelle, vraiment, tout le monde est touché. Il y a beaucoup d'hommes qui sont touchés. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de femmes dans la dépression que d'hommes. Mais ça ne doit pas être... Je ne connais pas les chiffres. Dans le burn-out, là, ce sont plutôt des hommes, parce que ce sont plutôt des cadres qui sont complètement... pris dans l'engrenage d'un travail absolument infernal. Et là, du coup, la domination masculine se retourne d'une certaine manière contre les hommes et protège un tout petit peu les femmes, puisque c'est quand même plus rare, même en France, d'avoir des femmes qui soient des cadres et qui soient dans cet impératif de rendement dans l'univers du travail. Mais en tous les cas, ce n'était pas au cœur de mon travail, parce que ce qui m'intéressait, c'était de repérer les données anthropologiques. Ma question, c'était finalement comment peut-on vouloir ne plus participer au lien social, voilà. Je parle de vouloir ne pas. Hein, c'est presque la figure de Bartleby dans la grande nouvelle de Herman Melville. Hein, c'est I would prefer not to do it. Hein, je préférerais ne pas le faire, voilà. Donc je pense que la disparition de soi est une figure anthropologique paradoxale où à la fois il y a quelque part une volonté du sujet de ne plus participer au lien social et en même temps il y a quelque chose qui l'emporte, comme dans les conduites à risque, où on ne peut pas dire qu'une adolescente n'est pas partie prenante de son anorexie. Et en même temps, elle est emportée aussi par son anorexie. Donc on est dans ces formes d'ambivalence qui, moi, me passionnent en tant qu'anthropologue. On n'est pas du tout chez Descartes dans le « je pense, donc je suis », où je suis maître de moi comme de l'univers, comme dans la fameuse réplique de Racine, si ma mémoire est bonne. Là, on reste les acteurs de sa vie, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous emporte là où on n'aurait pas forcément le désir d'aller. Personne n'a envie d'être Alzheimer, mais peut-être à un moment donné, on glisse, on accepte, on est dans un lâcher-prise qui amène à ne plus vouloir participer au monde, au lien social. Ou à trouver aussi d'autres endroits, soi-disant, pour
pour se déplacer, pour essayer de changer le monde, changer le sien. Vous parlez de plusieurs mois que la société moderne nous intégrit. Oui. Alors vous décrivez aussi, disons, supermarché des produits spirituels, toute cette industrie de New Age, toutes ces formes alternatives de médicales et pas seulement médicales de ce type de vie. Ce que je voulais vous demander de ce point de vue, c'est est-ce que vous croyez que, parce que d'habitude, toutes ces pratiques New Age et toute cette industrie est déconnectée des philosophies qui restaient derrière ces pratiques dans leur pays ou dans leur zone d'origine. Est-ce que vous dites dans le livre que vous parlez donc au réduit à ces données biologiques propres aux troubles envisagés? Est-ce que vous croyez que toutes ces pratiques New Age et tout ce qui est autour sont en réalité, peuvent être considérées comme des médicaments qui traitent des problèmes spécifiques au lieu de. Et qui sont déconnectés de leur vision un peu holiste du corps, de l'homme? Oui. Ben, poser la question comme ça, c'est évidemment faire un jugement de valeur en même temps, parce que je pense que effectivement toutes ces pratiques New Age, mais aussi l'importance du yoga aujourd'hui, de la relaxation, de la méditation, ou de la marche, ce sont effectivement des manières de se retrouver, des manières de reprendre corps en quelque sorte dans un monde qui nous échappe. Si on fait une analyse marxiste vraiment très dure, on pourrait dire oui, mais c'est de l'aliénation, c'est le refus de changer le monde. Et voilà. Mais je crois que de toute façon, dans une société individualiste comme la nôtre, les individus ont plutôt envie de se changer eux-mêmes parce qu'ils sont mal dans leur vie, mal dans leur peau. Et aujourd'hui, évidemment, les projets collectifs nous manquent tragiquement. C'est là ce que Jean-François Lyotard appelait la fin des grands récits. Il n'y a plus de grands récits aujourd'hui comme le socialisme, le communisme. Et même on voit aujourd'hui, même en France, comment la notion de démocratie est vraiment très mise à mal et énormément contestée. Donc on se demande évidemment dans quel monde on va. Mais en tous les cas, dans ces pratiques qui sont aujourd'hui communes dans le monde entier, ce sont des manières de se rassembler. Parce que la vie devient trop difficile, justement. Donc on va faire du yoga régulièrement. Moi-même, je fais du yoga. D'ailleurs, je n'ai jamais considéré que c'était des choses aliénantes. Et ce sont des moments de plaisir, des moments également passionnants d'apprentissage, d'un autre rapport au corps, d'un autre rapport au silence, d'un autre rapport à l'espace. Moi, j'ai beaucoup appris quand j'étais beaucoup plus jeune, en faisant des arts martiaux d'inspiration plutôt japonaise, et puis plus récemment, en faisant du yoga, par exemple. C'est une autre manière d'aborder le corps dans un contexte occidental qui nous montre d'ailleurs combien la notion de corps est incroyablement variée dans nos sociétés. Il n'y a pas uniquement la vision médicale et donc anatomo-physiologique qu'on rencontre à l'hôpital, par exemple, ou dans la pratique médicale. Là, dans le yoga, on est confronté à un autre corps, c'est un corps qui n'a strictement rien à voir avec l'anatomophysiologie. Quand on fait d'autres pratiques, les arts martiaux japonais, on est encore dans une autre vision du monde, de la personne, du corps, etc. Donc sur un plan même anthropologique, c'est vraiment passionnant d'apprendre, de devenir un élève de ces enseignants. Par contre, dans le New Age, on est évidemment on est dans la folklorisation de ça. Je ne parle pas du tout de la méditation, ni même de la sophrologie, du yoga, etc., qui sont des pratiques un peu qui ont leur domaine de compétence. Voilà. Mais le New Age, en revanche, pour moi, c'est effectivement une forme de folklorisation des grandes visions orientales du monde, notamment. Donc là, je ne suis pas du tout un lecteur de ce genre de choses, ce qui ne m'intéresse pas du tout, mais je n'ai jamais écrit là-dessus. Par contre, dans Disparaître de soi, j'évoque notamment la notion du vouvai, qui est une notion taoïste. C'est le lâcher-prise, c'est de se laisser porter par les événements, parce qu'on ne veut plus participer au monde, alors on se laisse flotter comme une feuille dans le vent.
Voilà, ça c'est le vouvaille, et je me dis qu'il y a beaucoup de liens entre cette forme de disparition de soi dans nos sociétés contemporaines et certaines formes orientales, traditionnelles, extrêmement anciennes. Voilà, il y a des proximités. On n'est pas loin aussi d'ailleurs de ce que Roland Barthes, dans son dernier séminaire, appelait le neutre. La recherche du neutre. Le neutre, c'est ce qui ne se remarque pas. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Roland Barthes très intéressante il imagine un sage taoïste et il dit ce grand sage taoïste, finalement, personne ne pourrait jamais le remarquer. Parce qu'il serait tellement dans la transparence du monde que, voilà, il aurait atteint la plénitude de sa discipline intérieure, mais en même temps, personne ne le saurait jamais. Ça, c'est plutôt le vouvaille dont Roland Barthes dit quelques phrases sans s'y attarder, mais je crois qu'il est mort trop prématurément pour aller au bout de cela. Mais c'est curieusement, quand même, après la mort de sa mère, ça a été son séminaire, le neutre, hein, comme si Roland Barthes lui-même commençait à disparaître. Et on a été d'ailleurs assez nombreux à penser que sa mort n'était pas si accidentelle que ça. Vous savez qu'il a été renversé par une voiture, mais il n'était pas très attentif en traversant les rues, comme s'il était ailleurs déjà, comme s'il n'avait jamais trop supporté la disparition, la mort de sa mère. Est-ce que les techniques, les pratiques de disparition de soi peuvent être aussi liées à une technologisation ou une scientification qui est de plus en plus forte, ressentie par les gens? Parce que vous parlez dans votre autre livre de neurosciences, vous parlez de l'entretien de neurosciences qui sont de plus en plus valorisées, mais qui réduit le corps seulement à sa simple fonction force, à son simple fonctionnement mécanique. Alors, cette fuite de soi est-elle aussi liée au discours qui est de plus en plus technologisant de nos sociétés? D'abord, la disparition de soi est pour moi un phénomène ancien, puisqu'il émerge avec l'individualisation progressive de nos sociétés occidentales. Donc ça commence tout doucement à la Renaissance, avec les premiers grands voyageurs, les conquistadors, tous ces hommes et ces femmes qui vont s'établir dans le Nouveau Monde et qui vont complètement se réinventer. Ils ne sont plus du tout dans une tradition chrétienne, dans une tradition locale, etc. Ils vont vraiment se réinventer complètement dans un autre monde. Et on voit ça donc dans toute l'Amérique, puisque ça va également être l'univers des trappeurs, par exemple, hein, qui est beaucoup d'Occidentaux qui étaient dans la lassitude du monde occidental, qui partaient dans les grandes forêts nord-américaines. Enfin, c'est moins souvent en Amazonie, mais c'est beaucoup, en tous les cas, en Amérique du Nord, et qui vont se reconstruire complètement dans ce monde. Et c'est aussi d'ailleurs à la fin du 19e siècle, c'est quand même Thoreau, c'est Emerson, c'est ce mouvement américain, ce courant américain, en tous les cas, autour de Emerson et de Thoreau. Rappelez-vous d'ailleurs le magnifique livre de Thoreau, Walden, c'est-à-dire le partir pendant un an dans une cabane perdue devant un étang, et Thoreau va vivre, pas dans la solitude, mais en tous les cas, il va se retirer du monde. Et puis Thoreau est un immense marcheur et qui a énormément écrit sur le plaisir de la solitude. Et Emerson était un auteur aussi très proche. Il y a tout un courant nord-américain qu'on rencontre encore aujourd'hui. Il y a énormément d'auteurs américains qui nous décrivent aujourd'hui leur séjour dans le Grand Nord, par exemple. Ils vont vivre pendant un an ou deux dans le fin fond de l'Alaska ou d'autres États américains assez durs en termes climatiques, et ils vont écrire des livres qui sont lus absolument avec passion. Il y a aussi Kerouac, ça commence d'une certaine manière avec Jacques Kerouac, ça se prolonge avec Gary Snyder, avec d'autres. J'en ai lu plusieurs ces derniers, je suis en train de chercher Indian Creek,
Pete Fromm, qui a 4-5 bouquins qui sont passionnants, que j'aime énormément, où il décrit comment il croise des ours quand il se lève le matin et qu'il va faire sa toilette dans le ruisseau d'à côté. Bon. C'est un très grand courant, Jim Harrison, grand scénariste, mais aussi un homme du voyage, du déplacement. Ben voilà, c'est complètement dans nos Là, on n'est pas du tout dans la technologie. Si j'évoque ces âmes, c'est qu'il y a vraiment un refus de toute forme de technologie, puis un désir donc de solitude. C'est la passion du wilderness, hein, le monde sauvage, un monde où la civilisation est absente. C'est plus nord-américain qu'occidental, c'est vrai, mais c'est profondément nord-américain. Et puis en même temps, ça nous parle, ça nous touche énormément, puisque finalement, on s'aperçoit parfois que les grands écrivains américains sont moins connus aux États-Unis qu'ils le sont en Europe, où ils sont traduits et ils sont encensés en Europe, alors qu'aux États-Unis, ils sont lus correctement, mais sans plus. Mais je crois aussi, c'est vrai, que les technologies contemporaines nous écrasent de plus en plus et nous amènent donc des fois à la lassitude d'être soi, parce qu'on n'arrive plus à maintenir le réel autour de soi. Finalement, on s'effondre. Il faut porter à bout de bras un monde dans lequel on se reconnaît de moins en moins et où on en a marre. Et en plus, on n'a plus de refuge comme autrefois. Autrefois, quand j'étais tout jeune et que je partais au Brésil ou ailleurs, et que j'avais 18, 19, 20 ans, pendant un mois, plus personne n'entendait parler de nous. Et puis le courrier arrivait avec énormément de retard, donc on retrouvait nos parents éplorés, nos mères surtout, un peu perdues de ne pas avoir eu de nouvelles. Mais, et puis pendant longtemps d'ailleurs, même moi qui suis quand même énormément sollicité, quand je partais en voyage, je n'avais pas du tout besoin de recourir à Internet et autres. Simplement, j'écrivais une dizaine de lettres aux personnes qui m'étaient les plus proches, qui recevaient la lettre souvent quand on était déjà rentré en France. Voilà, aujourd'hui, c'est plus possible. Même moi qui suis extrêmement, qui n'ai un portable que depuis très peu de temps et qui ne m'en sert quasiment jamais, même moi, je suis obligé, quand je suis au Brésil ou ailleurs, je regarde des paysages magnifiques, je suis en train de répondre aux derniers mails. Je ne peux pas faire autrement, parce que j'ai un collègue de l'université de Strasbourg qui m'avait dit pendant, je pars une semaine, je ne veux plus répondre aux mails, à rien du tout. Mais quand il est rentré, il m'a expliqué que c'était absolument un enfer parce qu'il avait des centaines de mails auxquels il devait répondre. Je préfère l'homéopathie pour ma part. Et donc, répondre tous les jours à une dizaine, une vingtaine de mails plutôt que d'en avoir 300 quand je rentre. Donc, on est traqué par les technologies contemporaines, même quand on fait sa sieste, même quand on est en train de lire, même quand on est en train de marcher. Voilà le téléphone qui sonne. Ouais, c'est pour ça que pour moi, le téléphone portable est un ennemi absolu. Bon, voilà, donc les technologies nous empêtrent finalement dans nos responsabilités sociales, alors que c'est pas terrible pour les cadres, par exemple, hein, tous les travaux qu'on connaît, enfin, en France en tous les cas, de Nicole Aubert, de Christophe Dejour, etc., montrent combien les cadres n'ont plus du tout un instant à eux. Ils rentrent chez eux et le téléphone sonne, on leur demande des dossiers, de s'expliquer sur des dossiers. Ils sont en vacances, ils peuvent même pas rester en vacances parce qu'on vient les chercher en Amazonie ou dans le Grand Nord canadien, parce qu'il faut qu'ils soient présents dans leur entreprise et ils n'en peuvent plus. Ils sont dans les trains, on en voit des fois qu'ils sont complètement épuisés dans les trains, et puis tout d'un coup il y a le téléphone qui sonne, ils sont obligés de sortir et de répondre avec une voix languissante. Et voilà, on comprend qu'effectivement les nouvelles formes de management aujourd'hui sont d'une extrême brutalité et détruisent les personnes. Mais s'il n'y avait pas ces technologies, eh bien, on n'irait pas les chercher chez eux. Voilà. Donc les technologies sont effectivement un élément de cette croissance aujourd'hui sociologique de ce thème de la disparition de soi. J'aimerais parler aussi un peu des émotions, parce que vous avez beaucoup recherché, vous avez beaucoup écrit sur les émotions. Je me souviens que lors d'une discussion qu'on a eue il y a quelques années, vous critiquez Paul Ekman et toute cette
toute cette école qui essaye de trouver une biologie ou une universalité des émotions. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce sujet? Oui, d'accord. Alors là, effectivement, je suis, enfin, vous le savez bien, je suis assez hostile aux neurosciences, non pas parce que je considère qu'elles disent des choses fausses, mais je considère que ce n'est pas du tout notre domaine dans les sciences humaines et sociales, et que quand on s'intéresse aux neurosciences, on fait du collage, on fait de l'amateurisme, parce qu'on n'a pas du tout la formation pour comprendre. Et puis, il me semble aussi qu'aujourd'hui, les neurosciences sont quand même très peu avancées. Elles nous permettent de voir que quand, si je pense à un chat, par exemple, il y a certaines zones de mon cerveau qui vont s'éclairer. Mais ça ne dit absolument rien sur ce que je suis en train de penser de manière précise sur le chat. Ça simplement, ça éclaire quelques zones de mon cerveau, mais c'est absolument dérisoire d'une certaine manière. Donc ça ne m'intéresse pas énormément. En tant qu'anthropologue qui a beaucoup travaillé sur le corps, je pense que les outils que nous donnent les sciences humaines et sociales sont suffisamment puissants pour qu'on comprenne, avec la dimension du sens, les significations, pour qu'on comprenne pourquoi il y a des différences entre les uns et les autres, pourquoi il y a des différences de genre, pourquoi il y a des différences de classe sociale, etc. On n'a pas besoin d'une espèce de biologie du cerveau qui souvent d'ailleurs plutôt naturalise des inégalités sociales, les légitimes même, en nous expliquant, je ne sais pas, que le cerveau des hommes n'est pas le cerveau des femmes. Pour moi, c'est profondément critiquable, contestable, et ça ne m'intéresse pas du tout d'ailleurs. Donc là, quand j'avais écrit sur les émotions notamment, je m'étais effectivement attaqué à ce qu'on appelait à l'époque la sociobiologie, c'est-à-dire donc plutôt des biologistes qui considéraient finalement que les inégalités raciales qu'on rencontre par exemple aux États-Unis étaient parfaitement légitimes parce que les Noirs n'ont pas les mêmes cerveaux que les Blancs, que les... Enfin, on connaît toutes ces théories lamentables. Bon, et ces auteurs, très souvent, donc, pensaient aussi qu'il y avait une biologie des émotions dans la mouvance de Darwin, et que donc il y avait des émotions universelles, et qu'on rencontrait de la même manière aux quatre coins de l'univers. Or, il suffit simplement de voyager. Un simple voyageur comprend que les émotions sont extrêmement différentes d'un lieu du monde à un autre. Et que donc, et d'ailleurs, ce qui motive les émotions, un même événement, ne va absolument pas produire les mêmes émotions. Un deuil, par exemple, si nous, dans nos sociétés européennes, on va le vivre plutôt tragiquement, il y a des sociétés qui vont vivre la mort d'un proche de façon joyeuse. Il y a plein, enfin, les anthropologues ont énormément écrit là-dessus. Il y a les pratiques de retournement des cadavres, par exemple à Madagascar, qui sont des moments de fête absolument grandioses. Mais il n'y a pas seulement Madagascar, il y a donc d'autres sociétés humaines qui ont aussi des pratiques de retournement des cadavres qui sont très joyeuses. Donc déjà, ce qui motive l'émotion, c'est complètement différent d'un monde à un autre. Et puis même si on prend le deuil peut s'exprimer par des larmes, par des pleurs, par des lacérations, par des scarifications, mais peut aussi s'exprimer très paisiblement, etc. Donc il y a pas, pour moi, il n'y a pas aucune universalité des émotions, il n'y a pas de biologie des émotions. Et quand on lit le livre de Darwin, j'aime d'ailleurs énormément Darwin, c'est pas tellement la question. Quand on lit l'expression des émotions, le grand livre de Darwin, on voit, la méthodologie de Darwin est absolument hallucinante. Elle n'est même pas valable pour un étudiant de première année de sociologie. Jamais, jamais personne ne fonctionnerait comme ça. Darwin envoie à une quinzaine, une vingtaine de personnes, souvent des pasteurs, enfin des amis à lui à travers le monde, et il dit, là où vous êtes, est-ce que les gens traduisent leur étonnement avec des yeux écarquillés, etc. Quand ils sont contents, c'est-à-dire ils soufflent les réponses en permanence, il est dans l'induction. Et à partir de là, il va généraliser à outrance. Bon, donc c'est pas très crédible. Par contre, les sociobiologistes américains ont repris ça et ont défendu cette idée en ne voyant plus le visage des hommes ou des femmes, mais en voyant la figure dans le sens géométrique. Donc il y a une élimination du visage dans la sociobiologie américaine ou contemporaine avec des gens comme Ekman, etc. Ils travaillent sur des figures géométriques, sur des muscles.
et absolument pas sur des visages. Et nous autres, en sciences humaines et sociales, nous travaillons sur des visages, sur la singularité d'hommes ou de femmes qui ont une histoire personnelle et qui vont donc traduire leur émotion en fonction de leur histoire personnelle et non pas par une sorte de projection de leurs neurones. Voilà. Donc Ekman, j'ai beaucoup relu Ekman ces derniers temps parce que je viens de publier un livre sur le rire. Mais j'en ai terminé un autre sur le sourire, qui est un sujet extrêmement insolite, évidemment, parce que ça paraît un sujet impossible à traiter. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile à écrire sur le sourire sans verser dans la mièvrerie ou dans des côtés un peu chrétiens, cathos, etc. Donc construire une anthropologie du sourire, c'est vraiment très compliqué. Mais Ekman a écrit énormément sur le sourire. Mais à aucun moment il ne voit de visage non plus, il voit des muscles qui se rétractent, etc. Et toute l'œuvre de Ekman, c'est plutôt d'écrire des muscles qui sont... Et Ekman est à ce point, d'ailleurs, dans une espèce d'arrogance théorique, qu'il est capable de nous dire quels sont les sourires menteurs. Voilà, sourire menteur, ça n'a strictement aucun sens. Parce qu'est-ce que le mensonge ? Il faudrait d'abord définir la notion de mensonge. Parce que même un politicien manipulateur n'est pas dans le mensonge. Il veut convaincre absolument. Donc il est dans la sincérité de sa conviction, même s'il dit des choses auxquelles il ne croit pas, ses sourires vont traduire sa sincérité de réussir à manipuler la foule. Donc la notion de mensonge, déjà, est complètement ahurissante, n'a aucun sens. Est-ce qu'on va dire aussi d'un comédien, par exemple, qui a une réplique qui l'amène à sourire dans la pièce où il joue, est-ce qu'il est un menteur ? C'est complètement débile, parce qu'il est dans sa professionnalité de comédien, de sourire, à une réplique qu'il a entendue déjà des milliers de fois. Nous autres, dans la salle, nous allons trouver que ce comédien joue magnifiquement, voilà. Donc il y a un moralisme dans les approches d'Ekman, par contre qui sont très dans l'air du temps, parce que Ekman a été beaucoup utilisé par la CIA, le FBI, etc., pour soi-disant reconnaître des terroristes dans les aéroports et tout ça. Moi, ça me fait absolument froid dans le dos, hein, de penser qu'on confie des tâches comme ça à des gens, comme si les terroristes portaient sur leur visage leur cruauté. Quoi. On est vraiment dans la physiognomie. Pour moi, Ekman, c'est une resurgence contemporaine de la physiognomonie, où les physiognomonistes qui nous disaient le sourire cruel des Chinois, par exemple, je ne sais pas, voilà, qui vont nous... Et qui est reconnaissable. Mais c'est une psychologie de bande dessinée, en fait. Voilà, le tueur de Strasbourg, il y a quelques mois, a passé sans aucun problème les contrôles de sécurité du centre-ville. Ça ne l'a pas empêché de tuer tout un tas de gens. Puis on pourrait multiplier à l'infini quand on voit malheureusement le visage des tueurs islamistes. Ce sont des garçons absolument ordinaires. Et qui malheureusement sont parfois tragiquement souriants, comme celui qui est en jugement aujourd'hui, qui est le tueur du musée du Prado. Enfin, un pauvre type qui a tué, torturé, massacré, mais devant les juges, il ne cesse de sourire. Voilà, je ne sais pas ce qu'Ekman pourrait en dire, mais à mon avis, pas grand-chose, parce que c'est pas avec une approche comme ça. Je crois qu'on peut comprendre l'ambivalence. Enfin, l'infinie complexité, de toute façon, de la condition humaine. Donc, pour moi, je trouve dans les sciences humaines et sociales une boîte à outils qui me satisfait pleinement. Même si on n'a jamais réponse à tout, évidemment. D'ailleurs, j'ai souvent dit que les sciences sociales, la tâche des sciences sociales, c'est d'avoir question à tout. Et de n'avoir quasiment réponse à rien, d'ailleurs. Notre tâche, c'est d'avoir question à tout. Aussi, parce que le plus intéressant, c'est la question, évidemment. C'est jamais les réponses. Hein, les réponses... viennent terminer les débats. La question, elle ouvre et elle fait qu'on sort d'une salle ou qu'on sort d'un livre en se disant « mais je n'avais jamais pensé à ça ». Effectivement, c'est ça l'intérêt d'un livre ou d'un cours ou d'un débat. Ce n'est pas de dire « voilà comment sont les choses ». Alors quand on lit Ekman ou quand on lit les sociobiologistes, eux, ils savent.
Ça, c'est sûr. Et puis d'ailleurs, c'est pas possible, impossible de discuter avec eux. Parce qu'ils nous considèrent comme des amateurs qui n'ont rien compris et ne supportent pas les adversaires. Moi, j'imagine que les participants sont aussi. Ils veulent vous poser des questions, alors j'ouvre la discussion de la salle. S'il y a des questions. O să vă rog să fie la microfon pentru ca traducătoarea să poată să să adreseze în cască ceea ce întrebați. Bună seara. Eu sunt Cătălin Marin și apropo de identitate. Și aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră rolul trupului în constituirea identității, dar mai ales în ideea de este anatomia destin sau nu este? Voilà, vous commencez par une question absolument gigantesque. C'est parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet. Donc vraiment, si je vais très très vite, je dirais que pendant très longtemps dans nos sociétés, notre corps était effectivement un destin. C'est d'ailleurs la fameuse phrase de Freud qui dit « l'anatomie, c'est le destin ». En d'autres termes, on ne peut pas changer son corps, on est comme on est, avec le visage qu'on a, etc. Et ce qui se joue depuis le début des années 80, d'abord aux États-Unis et puis partout ailleurs dans le monde, c'est la possibilité qu'on a de transformer de plus en plus notre corps. Donc de vivre une forme de dualisme. Il y a moi et mon corps. Pour moi, c'est ça d'ailleurs le dualisme du monde contemporain. Ce n'est plus un dualisme qui oppose le corps à l'âme ou à l'esprit. C'est je suis devant le miroir, je me regarde, je vois mon corps, comme si j'étais différent de mon corps. Et donc depuis les années 80, il y a ce désir de changer de corps, de mille manières, à travers le tatouage, à travers les implants sous-cutanés, à travers les régimes alimentaires, à travers la chirurgie esthétique, à travers le culturisme, à travers les différentes pratiques de dermatologie aussi, à travers les cosmétiques, enfin j'en oublie certainement énormément, ou les gymnastiques, le jogging, etc. Donc il y a un marché incroyable du corps qui s'est développé à partir de ces années 80, et j'oubliais d'ailleurs la question transgenre, c'est-à-dire des personnes qui au départ ont été des hommes ou des femmes, qui vont soit changer de sexe, soit refuser radicalement d'appartenir à un sexe, à un genre. Donc des personnes, on pourrait vraiment retrouver l'étymologie latine, un personne qui vient du latin persona, le masque, des personnes qui ne sont plus qualifiables en termes de masculin ou de féminin. Ça aussi, ça démarre dans les années 80 avec l'activisme queer, et puis avec des auteurs d'ailleurs comme Judith Butler, traduite aujourd'hui dans le monde entier. Donc aujourd'hui, le corps n'est plus du tout un destin. Enfin, en tous les cas, je vais revenir là-dessus. Mais disons que globalement, le corps n'est plus un destin, mais plutôt une espèce de matière première, une sorte de matière première qu'on remodèle à sa guise. Donc on peut changer son corps, et en changeant son corps, le désir, c'est de changer son identité. On change son corps parce qu'on veut changer sa vie. Le recours à la chirurgie esthétique, c'est changer la forme de son visage ou de ses cuisses ou de ses seins, mais c'est pour changer sa vie, pour se sentir mieux dans sa peau, pour reprendre une métaphore corporelle justement. Donc aujourd'hui, il y a plutôt un jeu entre soi et son corps qui amène donc beaucoup de personnes à se sentir beaucoup mieux en harmonie avec leurs désirs. On n'est plus enfermé dans son corps comme on l'a été pendant longtemps. Sauf, évidemment, si on est une personne malade, une personne handicapée. Là, par contre, on est piégé dans une forme de destin, entre guillemets. Moi, l'un de mes derniers livres, c'était sur la douleur chronique. Là, la douleur chronique est vraiment un phénomène universel et qui touche quasiment des centaines de millions de gens à travers le monde. En termes de santé publique, c'est le problème majeur. Mal au dos, mal au cervical, etc. On est nombreux à avoir toutes ces pathologies-là.
Là, par contre, c'est très difficile. D'ailleurs, douleur chronique, ça veut dire que c'est une douleur qui s'inscrit dans la durée, dans le temps. Et là, on peut pas. On a énormément de mal à intervenir dessus. Et puis, une personne handicapée, une personne dans un fauteuil, voilà, il y a quelque chose là davantage de l'ordre d'un destin, effectivement, même si nos sociétés essaient d'être plus hospitalières aujourd'hui aux personnes handicapées. Bon, mais c'est très différent, évidemment, vous le savez bien, d'un pays à un autre. C'est davantage l'Amérique du Nord qui est en pointe en matière d'accessibilité des lieux, en termes de... D'ailleurs, je suis allé plusieurs fois à Vancouver, sur la côte ouest du Canada, et c'était merveilleux de voir une ville avec une telle diversité, avec énormément de gens dans des fauteuils roulants, mais des gens de tous les âges et de toutes les pathologies. Voilà, ça m'a... Mais aussi, le Canada, évidemment, est une société qui fait tout pour une intégration quasi absolue de toutes les personnes handicapées, et qui fait aussi en sorte que les personnes âgées ne soient pas toutes dans des maisons de retraite, mais qu'elles puissent vivre en toute autonomie et se déplacer en toute autonomie dans les grandes villes canadiennes. Je crois que c'est beaucoup comme ça aussi aux États-Unis. Donc le destin n'a pas totalement disparu, mais il est moins un piège qu'il l'a été pendant très très longtemps dans nos sociétés. Bună seara, în numele Soare, sunt studentul în Italia, la Master de Antropologie. Întrebarea mea este în materie logistică. Am căutat foarte multe interviuri și filme cu dumneavoastră și sunt interesată de perspectivele și teoriile pe care le prezentați. Însă am lovit de bariera de limbaj. Niciunul dintre interviurile dumneavoastră nu este subtitrat în limba engleză. Apropo și de ce spunea domnul profesor Iancu, de monopolul bibliografiei anglosaxone. Asta e unul din motive. Și vreau să vă întreb dacă ați luat și asta în considerare de a deschide către un public mai larg materialele dumneavoastră. Oui, merci pour votre question, mais c'est vrai que je suis davantage tourné vers le monde latino-américain. Je vais énormément en Amérique latine, et puis énormément en Italie aussi, où mes livres sont aussi beaucoup traduits. Donc voilà. Et puis mon goût va davantage. Je suis comme beaucoup de Français, j'ai toujours un peu de mal à parler anglais, ça ne m'intéresse pas énormément. Et puis dans mon expérience personnelle aussi, et c'est vraiment très 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 intéressant, c'est vrai que je suis, on pourrait dire que je suis énormément traduit. Je dois avoir 70-80 traductions de mes livres. La première traduction que je viens d'avoir en anglais, c'est Sensing the World, An Anthropology of the Senses. Donc, Sensing the World, c'est un très beau jeu de mots qu'on ne peut pas faire en français d'ailleurs. Donc c'est le maître du sens et en même temps sentir le monde, une anthropologie des sens. Donc c'est la traduction en anglais de mon livre Les saveurs du monde, une anthropologie des sens. C'est mon premier livre traduit en anglais. Par contre, j'ai beaucoup publié d'articles dans la revue Body and Society notamment, qui est quand même la grande revue sur la sociologie et l'anthropologie du corps. Je fais partie d'ailleurs depuis le début du comité éditorial de la revue. J'ai dû publier 7 ou 8 articles. Et puis très souvent, on me demande des textes dans des ouvrages collectifs. Mais c'est vrai que moi qui suis tellement invité en Amérique latine, par exemple, je n'ai eu que très très peu d'invitations aux États-Unis. Au Canada, oui, parce qu'évidemment, on a le Québec, là, je vais très très souvent au Canada. Mais par contre, aux États-Unis, non. Je suis allé deux fois. Deux, trois fois, et d'ailleurs j'ai fait des conférences en français, ce qui est quand même assez honteux, mais je ne sais pas si je devrais vous dire des choses comme ça. Ce qui fait en tous les cas que les Anglais n'ont pas trop envie de m'inviter. D'ailleurs, je ne suis jamais allé en Angleterre. Pour un immense voyageur comme moi, c'est quand même assez extraordinaire. Alors qu'on a une ligne directe Strasbourg-Londres en avion, mais je n'ai jamais eu l'idée de prendre l'avion pour aller en Angleterre. J'ai pas le truc. Oui, la littérature américaine, le cinéma américain, pour moi, c'est fondamental. C'est même une grande partie de ma vie. Mais en tant que chercheur, non, c'est pas mon affinité. Je me sens bien avec les Brésiliens, les Argentins, les Chiliens, les Mexicains, les Italiens, etc. Moins avec les collègues américains.
Mais c'est un problème de sociologie hein, qu'il faudrait traiter. Différence culturelle. Comment ? Différence culturelle. Je sais aussi quand même que je suis très difficile à traduire en anglais. Mais c'est parce que l'anglais est une langue. Là, il y a toute une vision du monde aussi. Vous savez qu'une langue, c'est finalement. Toute langue incarne une vision du monde. Et j'aime bien dire que nous ne pensons pas à travers la langue. C'est la langue qui pense à travers nous. Hein, c'est la langue qui nous amène à penser d'une certaine manière. Et donc, quand j'écris en français, j'écris avec un vocabulaire extrêmement large. Et quand j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui ont traduit, par exemple, des articles, ou la personne qui a traduit Les Saveurs du Monde, on a eu beaucoup d'échanges. Je sais que je suis quelqu'un de très, très difficile à traduire. En anglais, alors que c'est beaucoup plus facile en italien, en espagnol, en portugais, parce que ce sont des langues extrêmement riches. L'anglais, c'est très, très, comment dire, très fonctionnel d'une certaine manière. Hein, on va vraiment on discute pas trop, quoi. On tourne pas autour des choses. C'est l'anti-Proust. Je me suis toujours demandé l'anglais. J'ai toujours demandé comment il pouvait traduire Proust en anglais. Ça me paraît absolument impensable et impossible. Voilà. Il y a donc une philosophie des langues qui fait que c'est plus difficile. C'est un effort beaucoup plus grand, disons, pour un traducteur anglais de prendre, à mon avis, pas seulement moi, parce que je sais qu'on est très très peu de chercheurs francophones à être traduits en anglais. Très très peu. Donc il faut peut-être des auteurs. Ceux qui sont traduits sont peut-être des auteurs qui ont des phrases beaucoup plus utilitaristes, en quelque sorte, beaucoup plus fonctionnalistes, etc. Quand on est un peu littéraire, entre guillemets, c'est beaucoup plus compliqué. Bonsoir. Oui. Sunt afectați în mod diferit femeile și bărbații de burnout la locul de muncă. Dumneavoastră ați spus mai devreme că bărbații având mai multe funcții de conducere sunt mai afectați de burnout. În interpretarea mea, trebuie să ținem cont și de munca pe care femeile o fac în casă și cu îngrijirea copiilor și bien sûr. Bazată pe remunerație, dar ea presupune un efort. Femeile sunt mult mai afectate de burnout și din cauza asta. Oui, non, vous avez tout à fait raison, mais ça, pour moi, le burn-out renvoie au monde du travail rémunéré. La dépression, à mon avis, ce que vous dites vaut davantage pour la dépression. Il y a beaucoup plus de femmes dépressives. J'utiliserai pas le terme burn-out pour une femme qui élève ses enfants, qui est prise dans un travail domestique épuisant. À mon avis, on est davantage sur la figure de la dépression que du burn-out dans ce contexte-là. Mais je suis complètement d'accord, par ailleurs, avec votre analyse, bien sûr. Bonsoir, je m'appelle Bonsoir. J'oserais de vous poser la question. Oui. Si la disparition de soi est un voyage, alors est-ce que c'est un voyage aller-retour ou juste non aller? Dans Alzheimer, c'est un voyage sans retour, malheureusement. Par contre, dans la dépression, dans le burn-out, dans d'autres figures, non. Même ce que j'évoquais tout à l'heure, dans l'adolescence, par exemple, dans les conduites à risque de nos adolescents, il y a énormément de figures d'absence, de disparition de soi. Mais en revanche, il y a un retour. La toxicomanie, l'alcoolisation, la recherche du coma dans l'alcoolisation... les hikikomori, l'addiction aux jeux vidéo, etc.
presque dans toutes les conduites à risque, vous avez une figure de l'absence. Même dans les troubles alimentaires, on pourrait dire que l'anorexie, c'est une longue transe également sur le fil du rasoir, de la faim, du désir de manger, que l'anorexique repousse avec une force considérable. Là, dans les conduites à risque, pour moi, il y a toujours un retour. Dans l'immense, immense majorité des cas, les adolescents qui sont en grande souffrance retrouvent un jour ou l'autre le chemin du lien social. Je dirais pareil dans la dépression peut durer parfois des mois, des années, mais on revient un jour au monde, le burn-out aussi. C'est Alzheimer, où en principe on ne revient plus jamais. Parce que là, effectivement, il y a une destruction du cerveau qui amène la personne à être dans l'incapacité de... Mais où est-elle ? Voilà, c'est la grande question. Qui est là dans Alzheimer ? Parce qu'on ne le sait pas. On ne peut absolument pas dire, comme dans l'autisme ou comme dans la psychose, on ne peut pas dire qu'il n'y a personne. On ne peut pas dire qu'il y a un vide. Il y a des significations qui nous échappent. Comme si c'était des personnes qui venaient d'une autre planète, d'une certaine manière. C'est toujours un peu comme ça que j'ai vu les personnes autistes ou psychotiques et que je vois les personnes Alzheimer. On ne peut pas entrer en elles pour les comprendre. Mais où sont-elles ? Peut-être nous comprennent-elles très très bien. Mais on ne sait pas, on ne le saura jamais. Ou si on devient soi-même un jour Alzheimer, ou psychotique, ou autiste, mais on ne pourra jamais en témoigner de toute façon. Donc, il y a là une énigme absolument fascinante de mon point de vue d'anthropologue. Bonsoir. Oui. Ah. Oui. L'identité est un sentiment, évidemment. L'identité n'est pas du tout une substance. Donc le sentiment d'identité est toujours en mouvement. Il ne cesse de se remanier au fil du temps. Et en même temps, le soi actuel est infiniment multiple. Vous connaissez la phrase de Rimbaud, « je est un autre ». On pourrait dire aussi « je est mille autres », parce que nous sommes chacun de nous mille autres personnes. C'est-à-dire chacun, nos proches ne connaissent qu'une facette de notre personne. Nous sommes très différents selon les contextes sociaux. C'est-à-dire nous changeons finalement d'un contexte social à un autre, jamais nous ne sommes tout à fait les mêmes personnes. Ce que j'appelle « soi », c'est cette espèce de spectre infiniment multiple qui nous constitue en tant que sujet. Donc ce n'est pas du tout... Je suis à l'opposé, évidemment, de Descartes ou d'une conception cartésienne qui dirait « je pense, donc je suis ». Je suis transparent à ma conscience. Non. Il y a des milliers de personnes en nous qui sont simultanément présentes, mais qu'on ne peut connaître qu'en fonction des circonstances qui n'existent peut-être pas encore. C'est-à-dire, nous sommes faits de beaucoup plus de virtualité que d'actualité, d'une certaine manière. Chaque situation met à jour d'autres personnes que nous avions en nous. Voilà, donc j'ai cette vie. Pour moi, le soi, c'est une sorte de spectre, c'est une gamme, c'est une déclinaison innombrable de toutes les personnes que nous pouvons être dans le cours de nos vies. Voilà. Bonsoir. Ce v-a făcut să includeți demențele în rândul celorlalte practici de dispariție din sine, adică adicții, plimbări, de asfixiere, etc. Ați făcut o cercetare în sensul ăsta, ați cercetat demența? De asemenea, spuneți că neuroștiințele sunt derizorii, dar teoria dumneavoastră, pe cât de atractivă și fermecătoare, poate părea totuși o speculație din zona literară, spirituală, mistică. De exemplu, putem include astfel și cancerul, alături de demență, poate fi privit și cancerul ca o evadare din sine?
Și, de asemenea, ce se întâmplă cu responsabilitatea pe care o punem pe seama bolnavului în sensul ăsta, dacă o privim ca o evadare din sine. Mulțumesc. Non, pas du tout. Là, je n'ai jamais parlé du cancer. Non, ça ne fait pas partie des figures que j'ai analysées. Il y a certaines formes de maladies, des formes d'accidents, etc., qui dépassent complètement la personne. Et si malheureusement la personne disparaît, ce n'est pas c'est plutôt à cause du traitement social qu'on lui fait. Donc pour moi, ça ne faisait pas du tout partie de mon sujet. Par contre, les démences en faisaient partie, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que j'ai travaillé en fait dans d'innombrables domaines, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait aussi des études de psychologie. J'ai fait simultanément, disons, des études de psychologie, de sociologie et de linguistique, voilà, en fait. Et donc, j'ai fait ma thèse en sociologie, puis une thèse de doctorat d'État, quand ça existait encore aussi, en sociologie. Mais j'ai en même temps fait ce qu'on appelle un DESS de psychopathologie, c'est-à-dire que j'ai un diplôme pour exercer éventuellement en tant que psychothérapeute. Voilà. Donc j'ai suivi simultanément plusieurs formes d'études, et donc j'ai fait beaucoup de stages quand j'étais plus jeune. C'est ce qui m'a amené souvent à écrire sur l'autisme, ou sur la psychose, ou sur la démence. Parce que quand j'étais plus jeune, par exemple, j'ai fait des ateliers de théâtre avec des enfants autistes. J'ai pu mener un certain nombre d'expériences. Travaillais avec des personnes. Non, j'ai fait beaucoup de nursing avec des personnes extrêmement handicapées, qu'on appelle débiles mentales. Mais je n'ai jamais accepté cette terminologie-là. Même la notion de démence, pour moi, j'ai toujours dénoncé le vocabulaire dépréciatif, péjoratif de la psychiatrie ou souvent de la médecine qui parle par exemple dans l'autisme de vide, de tics, de grimaces, de je sais pas. Pour moi non, ce sont d'autres formes d'humanité. Voilà. Bon, je pense qu'on pourrait en débattre. Je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais humainement, je ne me suis jamais senti différent de ces personnes autistes, de ces personnes étiquetées comme débiles mentales dont je faisais les soins de nursing quand j'étais plus jeune. Je me sentais dans une immense proximité avec elles. Pour moi, c'était une autre forme d'humanité. C'était des hommes ou des femmes différents de moi, mais qui n'étaient pas moindres que moi. Je me sentais en rapport d'égale dignité, en tous les cas, pour la trisomie. Ça m'est aussi souvent arrivé de travailler avec des personnes trisomiques. Voilà. Moi, je les vois, c'est vraiment une parole d'anthropologue, je les vois comme des déclinaisons de la condition humaine. Et j'ai toujours j'ai souvent même dénoncé la violence de la psychiatrie à leur égard, hein, à travers l'enfermement, à travers parfois les électrochocs, les psychotropes, etc., qui sont des manières de détruire. Voilà. En ce sens, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je me sentais, et encore aujourd'hui, je me sentais très très proche de ce qu'on appelait le courant antipsychiatrique anglais, avec Ronald Lang, avec David Cooper. En Italie, c'était Franco Basaglia. Aux États-Unis, c'était Thomas Zas. Enfin, ce sont des auteurs, pour moi, qui continuent à avoir une immense valeur. Et c'était des hommes ou des femmes qui défendaient aussi la dignité de ces patients. Donc, dans tous mes livres, finalement, il y a aussi cette resurgence de la question de l'autisme, de la question de la psychose ou de la démence. Voilà, j'en parle beaucoup. Dans Disparaître de soi, j'en parle, enfin pas beaucoup, mais en tous les cas, j'en parle parce que je parle de Alzheimer notamment, mais beaucoup plus longuement. Mais quand j'ai écrit sur le visage, quand j'ai écrit sur le silence, par exemple, j'ai énormément parlé du mutisme des personnes psychotiques. Que signifie le silence d'une personne psychotique ? Dans la question du visage, la question du sourire, par exemple, si j'en ai parlé dans le petit livre que je viens de finir d'écrire sur l'autisme, parce que les enfants autistes ne sourient pas, sauf quand on fait un travail d'accompagnement avec eux, quand on les remet au monde d'une certaine manière, et on voit effectivement apparaître des sourires sur ces enfants quand ils grandissent aussi, et qu'ils rejoignent le lien social. Donc voilà, mon expérience, finalement, elle est très multiple. Je me suis intéressé à énormément de choses. C'est vrai aussi que je suis pas très... je suis un peu franc-tireur, d'une part,
et puis pas très commun, je ne sais pas comment dire. Bon, je suis assez original à travers la passion qui m'habite depuis que je suis enfant, d'ailleurs, de comprendre. Quand je ne comprends pas quelque chose, je vais au bout de... Je me donne tous les moyens pour comprendre. C'est ce qui fait que j'ai une bibliothèque absolument gigantesque chez moi, que j'ai toujours acheté, même quand j'étais petit, j'achetais énormément de livres, et je continue aujourd'hui, et voilà. Donc, je crois que tous mes livres sont nourris de cette expérience, mon expérience de voyageur également. J'ai vraiment parcouru le monde en autostop quand j'étais plus jeune, dans des conditions assez difficiles, et puis de façon plus tranquille, évidemment, maintenant, où je suis invité. Voilà, donc il y a tout ça dans mes livres. Mais je suis d'accord avec vous hein, que les neurosciences, il peut y avoir une collaboration entre les neurosciences et nous en anthropologie, mais c'est pas mon registre. Ceci dit, peut-être pour démentir mon propos, un autre livre que je viens de publier, mais c'est pas un livre personnel, on était trois auteurs, c'est un livre sur les douleurs chroniques qui s'appelle « L'homme douloureux », qui est paru il y a quelques mois, en même temps que mon autre livre sur le rire. Et ce livre a été coécrit, mais vraiment écrit, chaque phrase est écrite par nous trois, si je puis dire. Il y avait un neuroscientifique de l'univers de Bordeaux, enfin d'un laboratoire de Bordeaux, qui a fait énormément de recherches sur les molécules, les molécules antalgiques, en antalgie, en tous les cas, pour le soulagement de la douleur. Et le troisième auteur est un médecin qui est responsable d'un centre antidouleur à l'hôpital de Saint-Étienne. Et nous avons mêlé nos voix, tous les trois, et on a essayé de construire une espèce d'approche qu'on a appelée indisciplinée, en jouant avec les mots, c'est-à-dire le refus des disciplines. On est donc dans l'indiscipline, qui pour moi caractérise de toute façon l'anthropologie, mais en même temps avec une extrême rigueur. Voilà. Donc vous voyez, je ne suis pas du tout hostile fondamentalement, mais il faut aussi des conditions d'amitié, de collaboration. Là, je me sentais en prise, en quelque sorte, dans une connivence morale avec ces deux chercheurs, qui se reconnaissaient aussi énormément dans mes livres. Donc on ne s'est pas rencontrés n'importe comment, mais il y a beaucoup de neuroscientifiques avec qui je n'aurais aucune envie de travailler, ça c'est clair et net. Même ceux de mon université à Strasbourg. Parce que je n'ai jamais réussi à discuter avec eux, d'ailleurs. Même en toute amitié, quoi. C'est très compliqué. Moi, je ne supporte pas ça. Je trouve que... Dans nos disciplines, on doit fonctionner avec confiance, avec amitié, même quand on n'est pas d'accord. Pardon. Voilà, je perds ma voix. J'ai perdu. Bogdan. Bonsoir. Je ne vous vois plus, du coup. Oui. Și mă întrebam, menționați mai devreme despre societățile care celebrează moartea în linia noastră. Mă întrebam dacă evaluarea viziunii se întâmplă altfel acolo, dacă e... Cred că asta e Mulțumesc. Ben, l'anthropologie de la mort, comme l'anthropologie du corps, d'ailleurs, montre qu'il y a des ritualités extrêmement différentes d'une société humaine à une autre, et puis que les représentations sociales également sont très différentes. Donc les valeurs associées à la mort peuvent être incroyablement contradictoires. Le statut du cadavre également, qui est un sujet qui m'a énormément intéressé. Le cadavre est-il la personne? Est-il encore la personne? Ou n'est-il plus la personne? Cette question est très importante, et Andrei le sait très bien, puisqu'il a fait sa thèse sur les prélèvements d'organes. On ne va faire des prélèvements d'organes qu'à partir du moment où on peut penser que la personne n'est plus là. Elle est cérébralement morte, donc on n'a plus qu'un cadavre indifférent. Par contre, les personnes qui sont opposées au prélèvement d'organes continuent à penser que leur père, leur mère, leur frère, leur sœur est présent, même s'il est mort. Donc là, à l'intérieur même de nos propres sociétés occidentales, on a deux visions complètement différentes du cadavre, complètement différentes de la mort. Et on peut multiplier ça à travers le monde.
Donc voilà, effectivement, la mort et le corps connaissent d'innombrables déclinaisons à travers le monde et parfois extrêmement insolites. J'ai souvent écrit que le corps n'existait pas, parce qu'effectivement, il y a des sociétés pour lesquelles la notion de corps n'existe pas. Elle n'est même pas dans le lexique de ces sociétés. Il n'y a pas de représentation du corps comme étant différent de la personne, par exemple. Il y a le sentiment que la personne est tout entière de chair. Donc il n'y a pas une notion de corps qui viendrait recouvrir la notion de personne, comme chez nous, où on dit « voilà le corps de quelqu'un, voilà mon corps ». Comme si on était différent de son corps. Mais c'est absolument pareil pour la mort. On pourrait dire qu'il y a des sociétés où la mort n'existe pas, où quelqu'un qui est mort pour nous, avec nos critères occidentaux, est quelqu'un qui est en train de vivre ailleurs, une autre vie, ou alors quelqu'un qui continue à errer autour de son cadavre, comme par exemple dans la tradition japonaise, mais dans beaucoup de traditions également amérindiennes, par exemple, où on considère que pour mourir, il faut des mois ou des années. Hein, par exemple, dans des sociétés amazoniennes, il faut que la chair ait complètement disparu du squelette pour que la personne soit considérée comme morte. Pendant tout le temps où il y a de la chair sur les os, elle est considérée comme encore vivante. Enfin, on pourrait comme ça... Enfin, il y a quelque chose, évidemment, de très insolite dans l'anthropologie, hein, et dans l'ethnologie aussi. On est confronté à des coutumes et à des visions du monde, des représentations du monde incroyablement différentes des nôtres. Pour moi, d'ailleurs, les réalités n'existent pas. Il n'y a de monde que de regard. Et quand nous disons le monde, nous disons simplement les significations que nous projetons sur le monde, mais pas autre chose. Donc les significations d'une société ne sont pas celles d'une autre société, ne sont pas celles de notre propre histoire occidentale. Si on fait l'histoire du corps, si on fait l'histoire de la mort, l'histoire de la douleur dans nos sociétés, eh bien ça a incroyablement varié. Nos ancêtres n'avaient absolument pas le même rapport à la mort, au corps, à la douleur, à la maladie, par exemple, que nous autres. Mort ou corps ne sont que des questions, ne seront jamais que des questions, jamais des réponses. Il n'y a pas une substance du corps, il n'y a pas une substance de la mort, il y a des interrogations sans fin. De où provient cette nevoie? Je peux essayer en français aussi. Oui, ok. Mais d'où vient cette nécessité d'échapper de notre personnage, de notre personnalité, oui, de notre vie? Oui. Alors, ça peut être d'ailleurs... Quand je vous entends poser cette question, je me dis qu'un comédien, par exemple, peut avoir aussi ce désir d'être multiple. Et je m'intéresse énormément au théâtre ou au cinéma, donc je suis très intéressé aussi par le travail du comédien ou du travail de l'acteur au cinéma. Et je sais que beaucoup de comédiens disent que leur vocation est venue du fait qu'ils avaient envie d'être autre chose qu'eux-mêmes, hein, de s'inventer des personnages, etc. Donc de manière tout à fait ludique. Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs qu'un écrivain ? C'est aussi un homme ou une femme qui va s'inventer d'innombrables autres vies. On peut dire la même chose sans doute d'un cinéaste qui va construire aussi des scénarios, qui va filmer des scénarios en s'inventant d'autres vies possibles. Je pense que dans la vie aussi, nous avons parfois le désir de devenir quelqu'un d'autre. D'ailleurs, j'en ai parlé aussi pas mal dans le livre, même sans être dans un contexte de souffrance. Finalement, il y a des hommes ou des femmes qui ont une vie du jour qui n'est absolument pas leur vie de la nuit, sans pour autant, par exemple, être des personnes gays ou des personnes lesbiennes. Ça peut être des gens qui, dans la journée, ont une réputation de gens très austères, très, très, très tranquilles, et puis la nuit, qui vont vivre des choses incroyables, comme dans les romans de Ryushi Murakami dont je parlais tout à l'heure. Souvent, d'ailleurs, le voyage est une manière de se réinventer ailleurs. On parlait tout à l'heure avec Andrei des Anglais qui viennent faire la fête à Bucarest ou à Barcelone ou ailleurs. Pourquoi ils ne font pas la fête chez eux à Londres ou ailleurs? Ils vont se défoncer pendant 2 ou 3 jours dans une autre ville. Pourquoi? Mais il y a aussi sans doute ce désir de se réinventer, de disparaître, de ne plus répondre à son personnage. Je crois aussi que c'est l'un des grands attraits de la marche, parce que quand on marche, on devient quelqu'un d'anonyme sur les sentiers. Plus personne ne sait qui on est.
Donc vous pouvez très bien croiser dans une marche votre cinéaste préféré, votre écrivain préféré ou votre député ou un ministre. Il ne va pas se présenter en disant « je suis ministre, attention ». Il va dire « je suis vraiment fatigué, ça fait 2 heures que je marche, je me suis perdu, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et on va parler comme ça pendant des heures et des heures avec des gens dont on ignore absolument tout de l'état civil. Donc la marche est une manière absolument merveilleuse de ne plus être prisonnier de son personnage. Un personnage au sens quasiment de Goffman, au sens du masque également, ce sont des formes d'évasion. La marche est une forme d'évasion, mais plein de choses comme ça dans la vie sont des manières. La vie nocturne, les clubs, les fêtes, etc., sont des formes d'évasion du personnage qu'on doit incarner, parfois de façon un peu tyrannique, dans la vie courante. Ce sont des formes d'évasion. Non, je ne peux pas le dire mieux. Oui. Merci d'avoir pris le temps. À la prochaine, si mon dame, la groupe va, la table d'histoire, c'est la même méthode pour rester un peu qu'est-ce que la possibilité, c'est une méthodologie de cercetare sur le sujet. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. O să mai fie o sesiune de autografe, dacă vrei, și un sfert de oră la discuție de asta.